Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie, la prospérité. Angèle Makombo offre des pistes à Samalou Kondé, programme du nouveau gouvernement. Samalou Kondé, Moïse Katumbi, premier tête-à-tête vers le dernier réglage. La participation de la RDC aux Jeux de francophonie, 245 inscrits pour les présélections au volet culturel. Géopolis Hebdo, Moïse Katumbi invite la population congolaise à appuyer le Premier ministre Samalou Kondé. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais encore que l'on pense à des choses, hein, que l'on pense à ce pays, que l'on pense à notre public. Nous attendons tous ce gouvernement qui devra sortir. On nous a dit, si on en croit au propos du Premier ministre, il avait dit d'ici les 10. D'ici le 10, on attend. Peut-être ça va être fait avant le 10 ou après le 10. Mais en tout cas, à la veille de la rentrée parlementaire. Tout dépend du calendrier du Premier ministre. Et je crois que le Premier ministre et les présidents de la République, je crois qu'ils se voient assez fréquemment pour travailler sur la monture du gouvernement. Ce gouvernement qui répondra aux questions des Congolais. L'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, a rencontré le Premier ministre. Selon lui, il est allé saluer et présenter ses civilités au Premier ministre qu'il a qualifié de jeune. Jeune Premier ministre, et qu'il a demandé à la population de l'aider, de l'accompagner dans son œuvre. Donc, ceci va tordre le cou à tous ceux qui ont cru que Moïse Katumbi était frustré, que Moïse Katumbi était abandonné. Moïse Katumbi, au moins, l'a fait. Je rappelle encore que M. Bemba l'avait fait un peu plus en avant. Il l'avait fait. Je crois que tous les deux, ont une image, une idée assez claire de ce qu'ils vont devoir faire. Maintenant, le problème est à quel niveau? Je ne pense pas que le problème sera au niveau de est-ce qu'ils sont d'accord, est-ce qu'ils ne sont pas d'accord. Le problème va être au niveau de leur sincérité maintenant. La sincérité d'un côté, de tous les deux côtés, je vais dire. La sincérité du côté du Premier ministre, du président de la République, et de M. Katumbi et de M. Bemba. Bref, la sincérité de toutes les forces politiques. Ils doivent se mettre ensemble pour dire, bon, voici ce que nous voulons faire pour ce pays. On a longtemps accusé Kabila, on a longtemps accusé Mobutu, c'est le moment maintenant. C'est le moment maintenant de travailler, de nous serrer les coudes, de nous aider par des conseils, par des idées, par des innovations. Les plaies les plus grandes de ce pays, c'est la pauvreté, c'est la précarité, la morosité sociale. Ce sont les grandes plaies. Hein. Donc le chômage, l'absence d'infrastructures, tout ça, il faudrait repartir à zéro. Des très grandes réformes. Pas des réformes proclamées, mais des réformes construites. Des réformes sérieuses
au Batmazo, le Batmazo qui réforme et qu'on a la point par point, point par point. Les réformes ne sont pas des slogans, comme j'entends. Réformes, il y a la Makanisi. Réformes, il y a Mayele. Et ça, il va vendre un papier, un document. Bon, on a réforme point par point. La réforme ne se trouve pas sur un bout de papier. On dit, réforme en go, réforme en go, t'es. Réforme est en haut, t'es. Réforme est ensemble, idée novatrice. Pour changer un secteur quelconque dans des points bien différents. Nous voulons redonner beaucoup plus de force, beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus de tonus dans un secteur quelconque. Réforme. Donc je crois que dans le moment où tout ça, et là effectivement, le moment où il y a une réforme. Parce que ce pays a été longtemps, je ne sais pas dans le cas de problème. Il faut donc refaire Yango et qu'il y ait bien, tout travaille Yango bien. Il faut mettre des bonnes personnes en place Yango. Vous avez suivi une dame qui, Namamba Sonas, cette dame qui disait que vous pouvez tuer, hein, vous pouvez tuer, vous pouvez bousculer, parce que la sonnasse est comme Jésus, la sonnasse. Je crois que nous pouvons nous éviter ces choses. Je pense que nous pouvons nous éviter ces choses. Ça veut dire tout simplement mettre les bonnes personnes aux bons endroits. La décision que la hiérarchie a prise, j'ai bien apprécié ça. Demander à la dame de suspendre d'abord son travail et d'aller apprendre, être recyclé. Parce que les gens disent, il ne faut pas révoquer. Non, on ne révoque pas comme ça. Mais nous, on a une révocation, en tout cas. Encore quand ça ne vous concerne pas, on a une révocation. Quand ça vous concerne, il faut compréhension. Non, il ne faut pas que la compréhension soit ce qui est sali et la révocation ce qui est sali. Ce n'est pas comme ça, en fait. Quand l'entreprise a misé sur quelqu'un, quand l'entreprise a investi dans quelqu'un, l'entreprise cherche d'abord à récupérer son investissement avant de te jeter. Cette dame-là a une carrière à Sonas. On sous-entend qu'elle a participé à la conférence, elle a participé à la, on sous-entend, à la recyclage et belé. Donc l'État a investi en elle. On ne peut pas la jeter comme ça. Mais aussi, hein, vous voyez des sociétés qui sont obligées de répondre, d'être en contact permanent avec la population. Avant que Moutoua l'ouba, mais il faut, Azala, n'a moins quelques notions en communication. Ah, et bien exactement, qu'est-ce qu'il veut dire aux gens? Parce qu'une phrase, je me rappelle encore de David Pujadas, c'est un modèle pour moi, c'est un modèle. Mais David Pujadas a dit une fois, un Français a épousé un musulman. Une musulmane, pardon. Il a dit, un Français a épousé une musulmane. Mais ça a créé un problème sérieux. Bazongé la chaîne, comment Bogo le Babongo? C'est que Français, c'est que musulmans, c'est une nationalité. Ça était devenu un sérieux problème. Mais dans sa tête, ce n'était pas ça. Naïde, naïde, la quitté le Babongo. Alors, peut-être en le bakéo, il y a arabe, tout ça, mais quand il y a la logique, il y a musulmans, il crée un problème. Moi, je travaille dans une chaîne avec un ami qui a dit, Serra Norit avait refusé d'être violé à vil prix. Vous voyez ce que ça fait? Alors, bah, catholique, bah, c'est pas la côté. Et on lui pose la question, qu'est-ce que tu entendais par vil prix? Habiter vil prix, ça dit Aboy, Aboy à Salongo, hein, peu importe la situation, Aboy à qui est crédité. Ça dit vil prix, ça veut dire qu'ils sont passés qu'ils m'ont dit. Vous voyez un peu, ça dit qu'il y a des choses que quand on dit, quand on n'a pas la maîtrise de la question, vaut mieux ne pas le dire. Vous risquez de dire des choses, et gros, bimanango, et bimanango, et bimanango. Mais je crois que la décision a été prise pour que cette dame aille la recycler pour nous éviter un scandale prochain et un modèle ou un an. Mais en même temps, on a tous entendu des choses, hein, tous entendu, on a récupéré quelques marambos, le mamaki au courant il y a période. Il y a encore une autre actualité qui est tombée il y a quelques heures, c'est Mutombo Dikembe qui partage l'affiche na filo maki lobby. Film Un prince à New York 2. Mutombo Dikembe, Azawana. Il a participé dans ce grand film, dans cette grande série et avec les couleurs de la RDC. C'est un grand plaisir. C'est un très grand plaisir, en tout cas, personnellement, ceux qui connaissent Mutombo Dikembe, présenter à Mutombo Dikembe toutes mes félicitations. Je n'ai pas vu le film, même si je voudrais vraiment le voir. Ah, il faut ceux qui n'ont abonnement à Amazon, Prime, quelque chose comme ça, ce qu'on n'a pas ici. Donc, du coup, on ne sait pas voir le film, mais on attend. Je sais qu'on va le voir de toutes les façons. Mais Mutombo Dikembe, on m'a même dit, je ne sais pas si c'est vrai, celle qui a maquillé les acteurs serait congolaise. Hein? C'est ce qu'on nous a dit. N'habitez pas dans la solo ou à l'Okuta. Mais on nous a dit quand même que celle qui a maquillé les acteurs, Azapé Congolaise.
Pourquoi nous ne faisons pas nos films à nous ici? Cette question me pousse à ça réveille mon esprit en me disant ceci. Pourquoi nous ne créons pas nos propres films? Pourquoi nous ne réveillons pas notre industrie de cinéma? Industrie d'ambition et cinéma, pourquoi tout le monde s'y est monté? Pourtant, nous avons l'INA chez nous. Nous avons l'INA, on apprend l'art dramatique là-bas. Mais pourquoi nous ne finançons pas? Le Nigeria a gagné la sphère africaine en termes de production, à l'équipe Mollywood, en termes de production de films. Mais tu as la place Bangwa-Bandaki. C'était l'État qui mettait les moyens. La Côte d'Ivoire, c'est leur département de culture. C'est pas moi qui ai mis beaucoup de moyens pour booster la culture. Mais chez nous, vous savez que les Blancs, les autres, s'étonnent que nous ne fassions pas de films. Comment l'Amérique peut faire des films, le rôle Anaconda, Amazonie, et ainsi de suite, alors que nous avons la forêt équatoriale. On ne produit pas des films sur la forêt équatoriale. Nous avons des espèces terribles chez nous, là-bas. On pouvait en faire des films. Maintenant, vous mettez au ministre des Cultures. Mais Monier, comme non, on n'a pas de moyens. Pourquoi cherchez-vous des moyens alors que les moyens sont là? Ministre de la Culture, tu n'as pas besoin de demander des financements. Avec les partenaires internationaux, vous pouvez le faire. Mais le problème, c'est les pourcentages. C'est ce qui détruit, qui tue. Regardez aujourd'hui l'industrie sud-africaine. Elle est en train d'émerger, elle est en train de monter. Mais nous, nous avons des choses ici chez nous. Mes frères, vous n'allez pas imaginer, nous avons des talents, vous n'avez aucune idée. Le Congolais a un talent inné. Le Congolais a un talent inné. Il est soit comédien, soit musicien, soit cinéma. Mais ce gars est fort. J'ai suivi encore suivi encore l'interview de Booba. Booba qui dit, mais je sais pas ce qu'on a mis à ces Congolais, mais ces gens sont talentueux, mais ils sont terribles. C'est quelqu'un qui te joue une guitare dans une église, mais il est beaucoup plus professionnel qu'un pro de la Belgique ou de la France. Nous avons l'art dans le sang. Seulement, nous n'avons pas un peu de choses dans la cervelle. Et ça nous détruit, malheureusement. Nous avons des choses à faire prévaloir. Nous avons des talents. Mais comme ces talents ne sont pas organisés, moi qui vous parle, moi qui vous parle, je ne parle pas trop de moi, mais que je vous le dise quand même. Au moment où je vous parle, j'ai 40 romans audio. 40, je dis bien, 1, 2, 3, 4, 40 romans audio, avec des histoires diversifiées. Si on le mettait dans, si on les transcrivait, on aura peut-être un roman à 240 pages, 240 pages, 240 pages, ou 250 pages. Tout ça, c'était ma idée originale. 40. Au moment où nous parlons, il y a deux romans sous presse. Et jeune Kandolo, il est là, vous pouvez l'appeler. Il a mes deux romans sous presse. Ça veut dire que nous avons des talents. Alors que moi, je n'ai pas fait l'art dramatique. Na kota classe nangote, na yoko langote. Ça veut dire, quand je te donne mon roman que tu lises, tu vas dire, mais oh, ce gars, qu'est-ce que tu écris? Mais le plus important, c'est l'idée que j'ai, la cohérence des idées, la répartition des scénarios que j'ai. C'est ça qui fait la force de quelqu'un. Donc, moi, si je vais dans l'école d'art dramatique, peut-être, comment un coach en propre, idée d'un gars, c'est tout. Mais j'ai ça. Mais tu veux donner ça à qui? Comment tu vas le faire? Ou tu fais ça comme tout le monde le fait, vite fait, Nabino. Mais nous avons des talents importants. Et puis, nous avons des belles femmes. Parce que le cinéma, c'est aussi la beauté. Nous avons de belles femmes. Nous avons de beaux messieurs. Bazali, ça veut dire, on a tout pour faire des bons films. Nous avons tout pour faire de bons, alors de bons films. Mais, malheureusement, regardez La vie est belle. Regardez ce film de La vie est belle. Papa Wemba, c'est l'art dramatique. Atanga art théâtre, il y a un des musiciens. Mais vous avez vu la prestance. Vous avez vu la prestation artistique de l'homme. Je dis, mais ce gars, c'était un génie à la fin. Oui, tous les Congolais sont des génies. Seulement s'ils sont mis dans de bonnes conditions, ils vous donnent le meilleur d'eux. Mais, dans la même année, il est le film Yakimbangu. Et ça, les gens n'ont pas conditionné. Tu as le film à Lumumba, c'est un Camerounais qui le fait. Le film à Paul Maurice, il ne jamais. Parce que, bon, on s'en fout.
Pourtant, la minute tout ça, on peut recréer un film sur l'indépendance. On peut faire maintenant un film sur l'indépendance. Tout ça, parce que parler de la nation Ezawana, parler de la nation Ezawana, on peut refaire ça dans un studio. Tout ça, on peut faire le film de 60 ans de l'indépendance. Disons, 60 ans de la gouvernance. J'ai vu des gens qui ressemblent à Mobutu. Ça dit que nous, nous avons la possibilité de le faire. Seulement, il nous manque la coordination. Bota la bande de Konabi, c'est un père. Moi, ma clip, c'est à l'époque à Mobutu. Mais c'est beau, c'est bien. C'est bien fait. Si seulement on pouvait aller plus loin que ça, on serait loin. Donc, c'était pour dire que nous avons toutes les possibilités de le faire. Mais nous laissons nos talents s'éparpiller comme ça. Ngato Natalaka, excusez-moi, je vais le dire la vérité. Tangu Natalaka, Master. Tangu Natalaka Master. Tangu Natalaka Aïda. Natalaka Mola, Obikisi. Vu de loin. Et sont nombreux les gens que j'apprécie d'ailleurs. Tito, Saï Saï. Excusez-moi de vous le dire. Je vois un gâchis. Ce que je vois, c'est un gâchis. Je me dis, ces gens n'ont rien envié à Eddie Murphy, rien envié à Harris, mais ils vivent dans des conditions de précarité chez nous au pays, parce que l'État leur a tourné le dos. L'État lobby, hein, battez-vous, faites comme vous voulez. Mais c'est très grave lorsque vous laissez votre culture entre les mains des gens que vous ne contrôlez pas. Mais ils vont faire des histoires. Il y a un besoin de aller là. Ma production la binoba théâtre botala na ba TV botala binomo ko obendi obendimo pe obimimo pembeni otali otala na 100% la production na bango 80% c'est de la bêtise, 80% c'est des insanités, 80% c'est des histoires qui tournent autour de sexe. Ça ne tourne qu'autour de ça parce qu'il n'y a aucun encadrement, aucun encadrement. Un acteur, ça reste quelqu'un qui va jouer un rôle. Il faut qu'on lui donne le rôle. Mais ici, chez nous, il est lui-même acteur, il est lui-même écrivain, il est lui-même metteur en scène. Il est tout en même temps. Il est éparpillé. Même Moutounoko, la master, au Zouyolobi, bon, pédé nada. T'as la rôle dans Yango, Zo Yango, Tanga Yango. Va lire les expressions. Lis les rôles. Lis les scénarios. Pendant un mois ou deux, trois semaines, Tanga. Saï, Tanga. Nani, Tanga. Salabro, Salango, Boyasiko. Vous allez voir ce qu'ils vont donner. Ils vont offrir le meilleur d'eux. Mais bon, qu'est-ce que nous faisons? Dis, yo, vous allez à papa, hein? Vous allez à la maman. Yo, vous allez à moi. Parce que vous avez une classe au Siliki. Yaka. Et bien, nous, ça va bon. Yo, vous avez que Moutanga, le bloc, mourra bien. Moutouza, contredire. Parce que ce n'est pas. C'est improvisé. Ce n'est vraiment pas classé dans la place d'en haut. Et l'on a dit, comme ça, on a dit, 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 ils écrivent. Bah, komi penza. Mais le peu de gens qui essayent de le faire, bah ça soutenu, ils ne sont pas soutenus. Bah réseau de communication de Binoël, télécommunication, ils pouvaient. Il suffit que l'État encadre ça bien. Que l'État dise, telle société, telle société, telle société, voilà votre apport dans le secteur O, Yangouana. Bino ba 4 réseaux de communication tout ça nango, tout ça a besoin de ça la biso studio. Il y a mounene, il y a production de cinéma, il y a mounene alors. Et l'État va subventionner, paye, il y a ingénieur, tout azimut. Ça va créer de l'emploi. Parce que le cinéma crée de l'emploi, vous n'avez aucune idée. Cinéma est créé à qu'emploi, il y a ma kasi. Et vous t'arrêtez ma taxi, il y a ma kasi. Imaginons que moi dans le rôle de Daïda, tout le monde est là, monsieur le là, moui qui si, tout vit de loin, tout a habité, vidéo na moko. Et là, il a bien structuré, et tu as mis na 1 million de personnes. Mais toi, tu as 100 millions, ne vous en faites pas. Mais tu as 1 million de personnes. Et na 1 million, il a 1 dollar, 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 1 dollar,
avant à 500 000 dollars par œuvre dans Mboko Sali. 500 000 dollars. Ne vous en faites pas, c'est rien. 500 000 dollars dans le maquillage, dans l'industrie. 500 000 dollars dans le même pas à décor. Et comme il n'y a même pas de décor. Mais ici, chez nous, ça peut être même caché, André Yamoutou. Il va baisser 500 000 dollars dans l'œuvre de Mboko Sali. Mais vous allez voir comment on va tout le monde vraiment beau. Imaginez, notez. Ce qui veut dire qu'il y a une œuvre dans la moyenne, en gros, dans 400 000. Moyenne. Une œuvre qu'on a construit en gros, bien. Dans 400 000. Mais ces gens-là vont faire plus. Nous avons une capacité de production, de composants dans l'IDT. Le Congo. Je vous donne mon cas. Et les cas de bien d'autres. Je tourne les émissions du lundi au samedi. Mes frères, du lundi au samedi. Je ne me répète pas. Mais posez-vous des questions. Les journalistes français, belges, américains ne le feront peut-être pas. Ils ne le feront pas parce qu'ils vont dire non, la règle dans la, du travail, la règle du travail. Ils vont dire ce qu'ils veulent dire, la règle du travail. Mais nous, dans notre même règle du travail, là, on produit les mêmes choses. Peut-être plus que Bango. Mais parce que nous ne sommes pas entretenus. On n'est pas aidés par l'État. On n'est pas aidés par l'État. L'État ne nous aide pas. Du coup, nous faisons ces choses parce que nous savons que si on le fait, bon, voici ce qu'on gagne, voici ce qu'on gagne. C'est ça ce qu'on fait. Peut-être l'apostolat. Beaucoup ne vont pas le faire, ils vont s'arrêter. Il y a un besoin de bande de Komuzusu. Alors, c'est l'émission lundi, et puis après mardi, à salité parce qu'il y a sujet zété. Mercredi, à salité, sujet zété. Jeudi, à Yakoussala parce que sujet bimi. Mais nous, politiques et zalaté, on a des choses à dire, on a un travail à faire, on le fait. Ce que, comme Batulokwa Nga Baza, est belém que le Kangaï. Dans le monde du cinéma, on a Baza, est belé, est belé, est belé, est belé, est belé. Donc, il suffit seulement de faire mieux les choses. Moi, ma passion a toujours été le cinéma, depuis très petit. Ma passion a toujours été le cinéma. Et je suis convaincu qu'un jour, je finirai par tourner un film. Peut-être que je donnerai mes histoires, bah, tourner un film. Parce que j'estime que c'est le moment de le faire, c'est le moment. Il faut maintenant parler de nous. Bah, le génocide, on peut en parler. Et vous allez très bien. Voilà un peu ce que je voulais qu'on dise aujourd'hui sur la question d'art. Même moutons à la poto et qu'on suit film, et faire vraiment un grand plaisir. Ça va me faire un grand plaisir. Je serai heureux de suivre ce film en premier. Donc, encore une fois, mes sincères félicitations à notre aîné Mutombo Dikembe. Atalasko, Atala Edi Murphy, c'est Yoka Mutumulaï, la voix sur vous. Joe Biden félicite Félix Tshisekedi au sujet de la présidence congolaise de l'Union africaine. La lettre a été transmise par Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis en RDC. Il a remis ça lors de son audience avec le chef. Le général Silvano Kasongo déguisé dans un minibus à Kinshasa. Objectif, traquer les roulages qui tracassent la population. Ce sont nos collègues policiers, il faut les arrêter avec discipline. Pas de bêtises. Tout le monde a dit qu'on peut tenir son lobby, il y a une image en étant beaucoup fort dans l'internet. Le général Kasongo, il y a des 107. Il y a des traqués, les policiers, il y a des rambouana, il y a des. Bon, je me rappelle que j'avais fait une proposition il n'y a pas longtemps sur la même question, la même démarche. J'avais demandé aux policiers de s'habiller en tenue civile pour ne pas m'en. Ils ont fait bien la chose, mais je crois qu'ils auraient pu faire mieux encore, encore plus. Mais ce qu'ils ont déjà fait, c'est bien. J'estime que pour changer ce pays, c'est une question de volonté et de mentalité. C'est tout simplement ça. Lobby Yemoko, général, a kangi plus de 30 policiers. Yemoko, la journée Moko, kangi plus de 30. Bon, on va voir que kimi. Bon, on va voir ma fièvre. Je vais quitter le lobby. Je vais me faire un peu de bien. Je vais me faire un peu de mal. Ceux qui ont été là pendant une semaine seulement, la deuxième semaine, on a beaucoup de situations qu'on a régler. Et qu'on a régler. Dans deux semaines, on a régler. Après, dans trois semaines, on a régler les choses. Donc, il faut maintenir ce cap-là. Il faut maintenir ce cap. Mon général, ba policier ba kotambola na ba pince. Policier na pince. Tout n'y est bon chef. Oza na kata police, oui. Mais est-ce qu'oza ingénieur ya police? To, yom tombo ça va réverber. Ote, y'a pas la picolera ba plaque. O picolera ba ou sa na plaque ni. Je crois que, toko m'appelé, que monsieur le général, a kanga non seulement ba policier, oza yi bambo ou nanzela, mena ba toto ba détenteur ya. Il y a Nini, il y a ma pince. Parce que ceux qui ont quand même pince, c'est l'armée blanche. Il y a ma pince d'arme létale, non létale, ceux qui l'ont létale, ceux qui l'ont non létale. Ma pince d'arme, vous en avez une pince sous terre. Donc, ceux qui ont une pince, comme ils ont une pince.
Bakanga pe ba pollution ba yekoli ko sala ba plongeon na ba na ba na mituka alors que glace ça il va okita. Pollution pourtant a hôtel appelant à calculer à mon dit pendant cadre ngwa on dit ba yekoli ko na classe. Il suffit de faire deux pas, il est dedans. Deux pas seulement. Il y a un mot qu'on a quatre. Alors, au bout de tout, il y a un ndaku, pour ça, il y a un entraînement, tout le monde. Bakangape, ba policier, ba bata makabat. Policier, bata makamoutouté. Policier, ça rendait visible. Bon, mouna, il y a un gazo. Il y a un mot qu'on bata ma. Au bout de tout, il y a un petit, a commis. Eh, viens, a commis. Pouf, obimi. Non. Policier, zala. Ah, on a moutou, agent de l'ordre. Qu'on bata ma, c'est un ciment béton. Mutazo ya bi ok police a été donc on est police a battu mais beto quand on nous met pas à quoi il a été tout régler question là la police n'a pas chaud et vous allez payer bien au niveau du Sénat la cérémonie de remise et reprise entre le bureau d'âge et le bureau définitif est fixée le vendredi donc aujourd'hui à 11h le lot monsieur Sangouma Azozoa et l'ambana est deuxième vice président et monsieur Batulukwebo président du Sénat. Le président Batulukwebo est par la force de choses le chef direct de Joseph Kabila Kabange. Monsieur Batulukwebo peut convoquer à son bureau Joseph Kabila. Parce que le président du Sénat peut convoquer à son bureau tous les sénateurs. Donc, si qu'on est aboué, monsieur Batulukwebo peut écrire une lettre à Joseph Kabila et lui demander de se présenter demain à 10h, pile, au bureau du Sénat. C'est quoi? Jika attend à ce qu'on est trois là. Ah! Qui m'invite dans son bureau? Bah, tu le coupes. C'est une obligation, il faut venir. Bon, tu vas faire quoi? Faut rien. Donc, c'était pour rire un peu. Alors, devant les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC, Félix Tshisekedi a réitéré sa détermination de lutter contre les forces négatives étrangères et locales opérationnelles dans la partie est du pays. Je suis très convaincu qu'aucun ambassadeur ne va encore s'hasarder de partir seul. Donc, je crois qu'ils ont, vu l'état de notre pays et ils comprennent que c'est très important qu'ils s'activent pour dire à leur pays respectif de prendre des dispositions nécessaires pour que la situation à l'est du pays s'arrête. Je le dis, oui, parce que je sais de quoi je parle, en fait. Quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Augustin Kabuya, il répondait à la Cinco en disant ceci. L'UDPS ne peut jamais avoir peur des élections, même si elles devraient se tenir demain. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui s'en prennent à la Cinco. Nous sommes prêts pour aller aux élections. Je crois que la réponse est donnée et donc on va finalement s'arrêter. Alors, je ne sais pas s'il faut que je lise les propos de Papi Tamba ou il faut que je ne les lise pas. N'ayons plus de complexe à le dire. Comme aussi nous ne devons pas avoir peur de l'affirmer. Comparativement aux années Kabila, le Congolais souffre plus aujourd'hui. 2 ans seulement après son départ du pouvoir, vivement 2023. Bon, ça c'est de la blague, hein. C'est de la blague, c'est de l'ânerie, c'est tout simplement de l'amusement. Monsieur Papi Tamba sait pertinemment bien que nous sommes ici parce que dans ce pays, on a eu le malheur d'avoir des gens comme eux au pouvoir. Si nous connaissons ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu le malheur de rencontrer des hommes comme eux au pouvoir. Si on n'avait pas des gens comme eux, avec une gestion crapuleuse, on ne serait pas là aujourd'hui. Nous sommes là parce que la RDC a connu un accident historique, malheureusement malheureux, d'avoir des hommes et des femmes comme eux à la gestion de ce pays. N'eût été Bango, le tableau n'allait pas être séliculé aujourd'hui. Donc quand les gens se battent pour réparer les erreurs que vous avez commises, taisez-vous, tout simplement. Quand les gens se battent, se démerdent pour réparer les torts que vous avez, vous, commis, impunément et stratégiquement, ayez l'humilité de vous taire un peu. Taisez-vous, tout simplement. Il faudrait que les gens aient honte quand même à un moment donné dans ce pays. Il faut que les gens aient honte quand même. Jean-Claude Katende, le procès qui commence aujourd'hui concernant les détournements des fonds destinés à l'éducation de nos enfants est un procès très important. Les gens qui mettent en péril l'éducation de nos enfants sont contre l'avenir du pays. Ils doivent être sanctionnés sévèrement. Moi, je vais même ajouter durement. Monsieur Jean-Claude Katende, je suis même prêt à vous accompagner en disant durement.
vous ne pouvez pas sacrifier les enfants. Quand même, attendez. On est en train de trouver. Quand c'est mais vous n'avez même pas honte de le dire. Ça ne vous gêne pas. Non, pas du tout. Ça ne vous gêne pas. Les gens vivent mal à cause de votre modèle, Wana. Je ne cite le nom de personne. École fictive. École fictive, batanga boti et zarata deux t. Donc avec 200, 300. Ce qui est école moko et la fictive. Ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il n'y a plus, sans faire le calcul, il y a ma salle. Donc il n'y a plus de 12 enseignants fictifs. Ce que bat 200. 10. Imaginez. C'est-à-dire au moins 400 personnes fictives, Bengak. C'est-à-dire qu'au salaire, il y a plus de 400 personnes. 200. Mais attendez des secondes. Hein? Je crois humblement qu'il est temps d'arrêter ces choses-là. Ces gens-là doivent être arrêtés et sanctionnés. Même si parce que ces gens-là ont fait du tort à ce pays. Vraiment du tort, quoi. Du tort. Ils ont saboté l'éducation, ils ont saboté le système éducatif de ce pays. Il faut à un moment donné le recadrer. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC. Maman Marthe, né, par le bishop, Afrique à l'Union. Mais quand t'es un gnosso, il y a un congolais. On dit que la yo, à ça, il s'agit de te. Pour la Corée, la yo, on va pas de la yo. Pour la Toto, la yo, on va pas de la yo. Pour la bonne la yo, par le bio. Bio Afrique à l'Union. Et toi, t'es tout à fait la machine. Sinon, vous voyez pas, y'a du nom, vous voyez. Pour pas tout comprendre, ma congolais, où allons-nous? Pour la Coréenne, la Pino Moko, pas quoi de la Pino, Coréenne, appétit. Lisa.